Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. Donc, on va faire BTC, ETH, SOL et AVAX, je pense. On fera peut-être aussi le Bittoken rapidement à la fin. Donc, pour le BTC en daily, euh, on voit que pour le moment, on a une grosse résistance ici. On n'a pas réussi à passer au-dessus. Qu'on a des supports weekly et monthly dans toute cette zone. Et quand on commence à zoomer en 4 heures, tout ça, je vous ai mis des petites flèches pour vous matérialiser un peu ce que le prix a fait. Donc on voit très bien que la zone des 63.5, ouais voilà, la zone des 63.5, 63.6, 7, c'est une zone qui est très défendue là par les vendeurs. Elle a été rejetée une première fois ici, une deuxième fois, une troisième fois et une quatrième fois ici. Maintenant ce qu'on peut voir c'est que la zone des 60 000 jusqu'au 58.7 on va dire à peu près, 58.5 même, c'est une zone qui est pas mal défendue par les acheteurs. Et qu'à plusieurs reprises, on vient hit les supports weekly que j'ai tracés. On rebondit, on revient dessus. On a encore une réaction. Encore une réaction. On repart. Pour le moment, ce que je vois, c'est que on a fait une descente. Et que sur cette montée, pour le moment, si je regarde mes fibos, ce qu'on a hit, c'est-à-dire je pars du plus bas, je monte au plus haut là, et je descends. On a quasiment hit 100%. Peut-être qu'il faudrait la mettre d'ici. Ici et d'ici. Pour le moment, je ne vois pas avoir hit aucune Fibou intéressante. Donc euh... vu qu'il est actuellement proche d'un support weekly, il faudrait voir si éventuellement dans les timeframes plus basses on a des réactions euh, bullish sur ce niveau. Ce qui peut être possible. Vu la bougie déjà à une heure, j'aimerais bien voir ce qui se passe en 30 minutes. Ou on a un petit début de divergence ici. Ah, même un beau, une belle divergence. On a une belle div sur toute cette zone-là, sur le RSI, et plus une particulièrement dans cette petite zone-là. On a des bougies qui descendent et un plus bas, plus haut. On va zoomer un peu plus et on va l'avoir un peu mieux, je pense. Ou en M15. Donc là, en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez une, une divergence proche d'un support weekly. On l'a pas encore touché, ce support weekly. Mais il est possible qu'on vienne le toucher dans la journée. Pour ensuite peut-être rebondir et aller revoir soit ce support weekly ou soit plus haut. Parce que comme je vous ai dit là pour le moment ma fib, dans le cas d'une ABC, elle n'a pas touché euh... elle n'a pas touché euh, les zones qui devraient toucher. Normalement, le BTC il devrait au moins toucher 64, 950 donc 65, je pense, avant de redescendre. Donc en fait il faudrait qu'on sorte tous ces tous ces highs là. Vous voyez les gens qui ont short ici, short ici, short ici. Si on veut break ici, je pense pas que le marché va leur faire une fleur à tous ces mecs-là qui sont en, en position de short. Je pense qu'on va d'abord avoir une réaction haussière, sortir toute cette liquidité ici, peut-être après soit continuer à la hausse, ou soit juste ben, les sortir et faire un move en 3 vers le bas. Et si après ben, on vient faire un move par exemple en 3 vers le bas et que on vient, on vient chasser par exemple que au 100%. On pourrait avoir après une descente par derrière. Qui pourrait nous ramener ben, direction vers les 100%. Donc aux alentours des 55. Voire 53,2. Mais ça, c'est pas encore le cas. Je pense que déjà, dans un premier temps, il faut qu'on aille chasser au-dessus d'ici. Une fois qu'on a chassé au-dessus d'ici, il faut voir quel ratio de fibre on touche. Si on s'arrête entre les 100 et 123, ça ne va pas être top. Ça va pas être top parce que du coup, en une heure, on serait peut-être dans une figure comme ça corrective. Avec une B qui vient au sens 123, puis une C qui, qui irait vers les 55, par exemple. Donc, ça, ça serait pour le plan, euh, on va dire, baissier. Et si jamais on vient, on casse au-dessus, on commence à aller dans cette zone-là, par contre, on pourrait potentiellement envisager que ça, c'était une 1, ça, là, actuellement, c'est une correction de 2. Et si après, on part au 168, ben, on aurait une 3, on viendrait retester à un moment donné la 4 par là, et puis on irait chercher une 5 ensuite. Donc, ça, c'est mes deux plans pour le moment sur le BTC. Tant qu'on ne casse pas cette liquidité ici, là, au-dessus d'ici, je ne pense pas qu'on va aller sous 58,2. D'accord Il y a éventuellement, on pourrait aller en dessous d'ici qu'à partir du moment où on casse cette liquidité, on passe au-dessus, je vous dis. Et puis on, on bloque dans cette zone-là. C'est-à-dire dans la zone d'une B d'une ABC en gros. Mais par contre, si on monte dans cette zone, on partira plus sur un décompte haussier. Ok Donc ben, ça, c'est l'analyse pour euh, le BTC. On va aller voir euh, l'UTH. Je vais supprimer toutes les lignes pour éviter que ça vous casse les yeux. On va regarder un peu comment ça se passe en weekly sur le TH. On va même regarder en monthly. Donc on voit plusieurs, euh, plusieurs zones intéressantes en monthly. On voit premièrement cette zone. Elle a bloqué ici. Après, on a cassé. Elle est refait support. Parfaite. On a cette zone aussi. Elle n'a jamais été retestée. Donc euh, ici, tu as potentiellement un, weekly, un monthly support. Pardon. Et pareil pour ici. Ensuite, on zoome en weekly. On voit en weekly qu'on a un support ici. En fait, ce que je fais, c'est que pour tracer mes supports et résistances en weekly, monthly, même daily, même dans toutes les, les timeframes, je me base par rapport aux clauses des candles. Et comme vous voyez ici, on a deux clauses égales, deux closes égales. Donc cette zone, elle est vraiment. Voilà, elle, elle, elle bloque vraiment les prix. Et quand on revient retest ici, on casse pas directement, on casse que sur la bougie d'après et on vient retester sur la bougie suivante. Donc là, on a ça en weekly. On a potentiellement ça aussi. Là, on bloque en dessous, on bloque, on bloque, on passe au-dessus, on reteste. Là, on reteste, on reteste, on reteste, on, reteste on repart. Donc là, oui, on a un très gros support weekly aussi ici. Et maintenant, on va aller voir en daily. Pourquoi en daily Parce qu'en daily, il faut savoir où sont, entre guillemets, tes derniers euh, low et high protégés. Pour savoir ce qu'il ne faut pas casser, pour ne pas repasser baissier, entre guillemets. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est que là, on était ici. On est monté, on est repassé au-dessus de ces Là, on a cassé au-dessus. Là, on a cassé au-dessus. Là, on a cassé au-dessus. Ok. Donc, cette zone, c'est ta zone d'intérêt sur Ethereum. Ça veut dire que là, potentiellement, il peut corriger. Mais s'il vient à se rapprocher de ce niveau-là, 39.45, donc 39.50 à peu près, ben, dans toute cette bougie-là, c'est ta zone d'achat, en fait. Tous les mèches que tu vois ici, là. Et si jamais tu prends ces, ces, cette opportunité ici, dans cette zone... T'es censé avoir le stop genre sous cette bougie. Et l'objectif, ça serait quoi ensuite ben, Quand je rentre sur le bas d'un du, segment qui monte comme ça, mon but c'est d'aller TP en haut du segment. Parce que l'objectif du marché, si on rebondit ici, ça va être comme ici. C'est-à-dire on fait le rebond. Toi tu rentres par là par exemple. Et une fois que tu as re es rentré par là, tu ne sais pas trop où sortir. Ben, tu vas te baser par rapport au dernier plus haut. Pourquoi Parce qu'on est dans une montée. Donc à chaque fois qu'on monte, qu'on s'arrête, quand on repart, on casse le dernier plus haut. Regarde ce qui s'est passé. On est monté, on s'est arrêté. Quand on repart, on casse le dernier plus haut. Mais des fois, on vient juste faire comme ici un double top et on repart au sud. C'est pour ça que je vous dis en général le mieux si vous rentrez sur des supports weekly ou supports monthly et que ça rebondit, le mieux c'est de vous référencer sur le dernier top et de vous dire bon bah je prendrai mon TP dans cette zone. Je ne vais pas anticiper plus haut parce qu'on n'a pas encore cassé cette zone. Donc pourquoi vouloir TP plus haut alors qu'il y a encore là les barrières à casser? Vous voyez ce que je veux dire ou pas Donc du coup, pour le décompte sur lui, ça serait quelque chose potentiellement comme ça. Il faudrait voir où est-ce qu'il est actuellement. Pour le moment, il est entre plein de fibo, donc il n'y a rien. Je pense que là, il va zigzaguer jusqu'à aller au moins au 100%, au 123%. Donc là, potentiellement, il revient là. Après, il repart dans cette zone. Et s'il si dit plus bas qu'ici, tu vois, en fait, là, c'est ton lot qui est protégé de tout ce segment. C'est-à-dire que peut-être que dans cette leg, tu as 1, 2, 3, 4, 5 et ça se trouve, elle est finie. Mais tant que tu ne sais pas si elle est finie, cette zone, c'est ta zone d'intérêt. Si elle casse, tu auras un rebond qui va faire un plus haut, plus bas. Et ensuite, derrière, on ira corriger toute cette leg. Donc, première zone d'intérêt, c'est au niveau des bah, 4000, 3050 sur ETH. Et si elle casse cette zone, il faudra voir quelle zone est alignée avec les 61,8. Et là, tu peux voir que les 61,8 sont alignés avec ton monthly support aux alentours des 34,50. Donc ça veut dire que tu as deux zones d'intérêt là sur ETH. Si tu veux re-rentrer dessus, tu peux l'avoir aux alentours des euh, ben on a dit le support euh, weekly qui est ici à 3950. Donc dans la zone des 3950, 4100. 4100-3950. Tu peux rebondir dans cette zone. Et une deuxième grosse zone d'intérêt, ça serait sur le monthly support si jamais ça vient à break. Et ça sera entre 3418 et 3416. Après, quand je dis entre 34, 78, 34, 16, c'est la golden field. C'est-à-dire qu'en général, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre mes ordres ici, dans cette zone, mais je vais garder... Euh, en fait, je vais calculer mon bag. Si je rentre ici, mon stop, il est sous ce lot, d'accord Donc là, si je rentre comme ça, tu vois bien que là, il y a 24% de, de, de... comment s'appelle De stop, et que c'est pas possible. Donc du coup, ce que tu vas attendre, surtout, c'est qu'on revienne soit dans cette zone, soit dans cette zone. Une fois qu'on est dans cette zone, là, tu vois, on est en daily. Tu vas aller zoomer par exemple en 30 minutes. Et tu vas aller chercher dans ces zones. Par exemple, regarde, comme, comme tu as pu avoir dans cette zone ici. Regarde, je vais faire un petit zoom. Par exemple, ici, là, tu vois la zone qu'on a entourée là. Regarde ton RSI en 30 minutes. Là, on descend sur le marché. Là, on monte. Regarde ce qui se passe ensuite. On crée un plus haut. Qu'est-ce qui fait le marché juste après Qu'il est rebondi sur la div. Il vient chasser son dernier plus haut. Donc là maintenant vu qu'on chassait les plus bas depuis le début et que là il vient d'inverser la tendance, regarde ce qui se passe ensuite. Donc après c'est juste une question de patience, t attends d'avoir ton setup et une fois que, tu... en fait t'attends de le voir dans tes zones d'intérêt comme je vous ai montré et une fois qu'il est dans tes zones d'intérêt, essaies de voir pour avoir ton setup clean tu vois. Ok Donc là pour l'Ethereum on a vu les deux zones qui pouvaient être intéressantes, on va aller faire un tour sur le sol OK, le sol par contre lui c'est pour mettre des supports des résistances, on va voir ce qu'on peut faire. Mais là, on va pas avoir grand-chose vu que c'est que des bougies vertes euh monthly. OK. Euh, je vais faire un autre truc. Je vais juste mettre celui-là ici parce que là ici on a une zone qui a bloqué là. a bloqué, il a bloqué, là on est passé. Donc là on a une monthly sup aussi, je dirais. Et maintenant weekly, ça dit quoi a dit que là on a bloqué on a bloqué on est passé au dessus on a rebondi dessus donc là on a un beau weekly support euh, je dirais ça et peut-être euh, peut-être un autre ici dans cette zone peut-être un petit peu plus bas par là comme ça on a là on a le, le rejet on passe pas en dessous on rebondit ouais ça peut être à peu près ça du coup, quand tu sais pas trop exactement où tu le mets, tu regardes, là, on est à quoi comme prix 135-0 machin. Ok. On va se prendre la tête avec le 0 machin. On se met à 135. Tu sais que 135, c'est un niveau qui est intéressant de fou. Là, pareil. 175, 22, on veut pas de virgule. On veut 175. Hop. On est carré comme ça. 203, 0,9, 203. Hop. Là, au moins tu sais que tu sais où sont tes niveaux simples. Là, là. Maintenant, on est en daily. La dernière impulsion en daily, elle a commencé où Elle a commencé ici, dans cette zone. D'accord Tu as eu un premier premier push, un repli de, de ce pump. Et derrière, quand on a replié, on n'est pas passé en dessous des derniers lots. Du coup, on est venu run au dessus des high. Premier high run, on drive, on vient retester le haut. On passe pas au dessus direct des mèches. On vient juste retester. On redescend et là, on passe au dessus. Donc là, ce qu'il a fait, de lui, en daily déjà, y a pas besoin de mettre d'autres supports résistants je pense peut-être on peut rajouter peut-être ici une mais vraiment dans cette zone là elle est quasiment sur la montée sub donc ça me fait chier donc ça fait deux supports quasiment collés en daily après quand vous allez voir quand on va zoomer ils sont pas du tout collés 205 200 200 215 203 c'est assez espacé quand même c'est assez espacé donc du coup euh, celui là on a dit que c'était du daily donc on va juste mettre euh, genre breakout et là, on va passer en une heure. Et là, on va zoomer. Et regardez ce qui s'est passé sur mes lignes. Regarde cette zone, par exemple. Regarde cette zone. Regarde là le rebond. Regarde là la zone de, de résistance. La zone de résistance. T'as vu Là, as... on va dire que as piégé ton prix dans quoi il est il ne a plus il peut plus te la faire à l'envers tu sais dans quel environnement il est si on est ici et qu'on pète tu sais qu'on va aller ici si d'ici on n'arrive pas à, à entre guillemets passer au dessus tu sais qu'on va potentiellement retracer et peut-être avant de retourner là haut et ainsi de suite là on l'a pas cassé du premier coup on a retracé on l'a cassé au deuxième coup donc là ce qui peut être intéressant sur le sol c'est de regarder alors attends on va regarder en 4 heures surtout parce que je voudrais voir la première leg qu'il a faite quand il a fait la divergence, donc là on avait la div, là on a l'accumulation, là là la première leg, là on a la correction. Donc on aurait quelque chose d'ici, par exemple, comme ça. Tac-tac. Et là, maintenant, on regarde le RSI. Tu vois cette zone, c'est la plus haute. Tu vois cette zone. Alors cette zone, déjà, elle diverge sur le RSI. Là, ça monte. Là, ça descend. Donc ça, c'est à 3. Hop, 4. Et maintenant, on cherche la 5. Et la 5, là, tu vois, ça diverge. Donc la 5, elle est bientôt terminée. Je ne dis pas qu'elle est finie pile poil ici, mais elle est bientôt terminée. Donc, dans pas longtemps. Mister Sol, il va devoir corriger tout ça là. Et regarde, les 61.8 sont alignés avec quelle zone Encore une fois et toujours sur un weekly support. Donc si jamais il vient à commencer à corriger, il ne va pas descendre en flèche, les gars, euh, direct sur le weekly support. Hein. En général, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a fait 5 vagues, vous avez quelque chose comme ça qui se forme. Vous avez une A qui vient par exemple run en dessous de ses lots. Une fois qu'elle a run en dessous des lots, on rebondit vite, 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 vite pour revenir dans cette zone. Et après, on va chercher cette zone, par exemple. Ou voir un peu plus bas. Tout dépend de la violence du marché. Mais là, pour le moment, ce que je vois en 4 heures, c'est une belle divisie qui m'annonce une 3 avec une 4 terminée dans cette zone. Et après, là, on a potentiellement... Soit la 4, elle est là. Soit la 4, elle est là. Et après, on a potentiellement... Une 3, une 4. Et là, on serait dans la 5. On serait dans la 5 sur sol. Donc, au niveau des targets, il faudrait voir ce qu'on a hit. Toujours pareil, si on n'a pas hit... Euh... Ah ouais, tu vois, regarde, c'est parfait, ça a touché 161,8 piles sur la 3, celle que je te disais, et maintenant on va la monter, donc ouais, 255, ça va être la merde sur sol, ça risque d'être la merde, 255, 255, voire, vraiment, si vraiment, ben, on a, je sais pas, on a le BTC qui est tout de suite sur un support weekly, imaginons, il rebondit de fou, ça donne un, une impulsion aux alts, 255 ou 305 et... Soit en fonction de ces deux zones, ça va, ça va bugger. Pour moi, vu les divergences qu'il y a, on n'ira pas au-dessus de 255. Déjà, il va galérer à aller à 255, mais s'il y arrive, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Et... Parce qu'en fait, regardez, le top, il n'est pas beau là. Quand tu veux un top comme par exemple ici, regarde ton top. Si tu as des mèches, là, on vient run au-dessus des mèches, puis on corrige. Là, ok, ça c'est carré. Regarde ce qu'on a fait ici. On a fait des mèches et on refait des mèches. Donc là, en gros, le marché, il te montre que là, il y a des gens qui shortent. Il y a des gens qui shortent, il y a des gens qui shortent. Donc tu penses vraiment que le marché il va te laisser euh, ouvrir tes shorts ici, alors que c'est visible par tout le monde, d'accord Et il va aller plus bas Non, le marché, ce qu'il va faire, c'est qu'il va run au-dessus de ses mèches avant d'aller plus bas. Toujours. Ou alors, quand c'est en bas, il va run avec une mèche comme ça plus bas avant d'aller plus haut. Le but, c'est ça, c'est de sortir les gens qui sont rentrés trop tôt. C'est-à-dire les, les gens impatients. Et si vous, vous êtes patient, ben je vous garantis que là, déjà, quand je le regarde en 4 heures, alors regarde bien, en 4 heures, c'est une autre histoire, en fait. Le sol, il n'est pas du tout fini. Il peut, il peut ne pas être fini du tout. Pourquoi Parce qu'en 4 heures, regarde, c'est le même schéma que ce qu'on regardait ici. On a la première dive ici, dans cette zone, on a là, et on descend. Là, on a une dive ici, on commence à descendre, et là, on essaie de repump. Ça veut dire quoi Si j'essaie de compter 5 vagues là-dedans, Juste mettre ma fibo ici et voir la 3, elle hit combien. La 3, c'est ça. On est au 168, donc c'est parfait. Donc ça veut dire que dans ma 5, on a déjà fait ça. 1, 2, 3. Il manque ma 5. Et ma 5, comment je vais la calculer En décalant la fibo du bas de 2 au niveau de 4. Et là, tout à l'heure, on avait dit que c'était 255 pour la grande fibo. Là, si je me base sur... Euh, regarde, 255-17, sur la grande Fibo. Si je me base sur la LEG dans la LEG, c'est-à-dire dans euh, la LEG 5, les targets qu'elle a, la 5, c'est 262, 272, 298. Donc j'ai des targets qui sont à peu près alignés. J'ai 256-255 au niveau des 100%, qui peut être... Euh, bah, qui peut comme une très grosse résistance du coup. Donc il faut voir si on passe au-dessus. Et si on commence à partir vers 168, tout ça, ah bah là par contre va falloir prendre des TP. Parce que je pense que derrière, après, as vu le dessin que je viens de te mettre là. Tout est corrélé avec le RSI, des FIBO. À un moment donné, gros, après, ça corrige. Donc euh, si tu veux pas, entre guillemets, voir ton bac diminuer au fur et à mesure des jours ensuite. Là, il va falloir que. Bah, être attentif à ce qu'il va faire. Il va, il va être attentif. faut être attentif à ce qu'il va faire. Parce qu'on va arriver. On est déjà dans une grosse zone de TP sur lui. Et il va aller peut-être smash les les, dernières, euh, les les dernières zones on va dire. D'accord Donc euh, là ce que je peux vous ce que je peux vous dire en tout cas c'est qu'en 4 heures sur euh, mon algo on a une belle euh, on a une belle green dot ici donc il euh, y a de grandes chances il y a de grandes chances qu'il y ait encore un move vers le haut qui arrive parce que quand en 4 heures t'as des green dot ici voilà un M24 elle vient de proc aussi ben il est 15 heures actuellement vous verrez ce qu'il a fait après votre marché juste après par la suite. Mais à mon avis, ça c'était le bas de la 4. Là, on a fait 1, 2, 3, 4. Et là, on va aller faire 5. Il y a de grandes chances quoi. Parce que en M24, on est, ouais, on est green. En 4 heures on est green. Tout est green en fait. Donc ouais, et là, le prochain move, normalement, c'est une explosion <laughs> vers le haut avant de peut-être redescendre. Pour le dernier move en fait. Donc, ça, c'est mon analyse sur le Havax. Donc, à faire attention euh, sur le AVAX, sur le sol, à faire attention surtout à bah, la zone des 255. 255, 260, ça risque de vraiment freiner. Auquel cas, si on freine pas du tout, qu'on commence à partir au niveau des 300, bah, vous serez dans la target, on va dire, euh, bah, pas la plus haute, mais l'une des plus hautes d'une 5. En fait, il y en a encore des plus hautes, mais déjà quand on va hit cette zone, c'est déjà très bien. Donc, pour le sol, voilà, on a, on a vu. On a vu ETH, on a vu BTC, on va regarder euh, AVAX. On va faire une petite analyse du AVAX, rapido. Je vais supprimer toutes les lignes que j'ai déjà. On va refaire le même travail ensemble. Commencez à vous familiariser avec ce que vous devez faire à chaque fois que vous ouvrez un coin sur votre charte. Pour capter dans quel environnement vous êtes. D'accord Toujours obligatoire ça. Si tu ne fais pas ça, tu ne sais pas où, où les gros poissons vont rentrer. Où les gros poissons sortent tu peux pas en fait tu peux pas le deviner après si t'as ça tu peux tu peux parce que sur ces niveaux tu verras il réinjecte beaucoup de monnaie il y a qu'à voir ici hein, l'impulsion que tu as eu derrière donc là on est en monthly. on a deux les supports en weekly ça dit quoi on a le weekly support un peu plus haut on a la Weekly résistance un peu plus haute par là. Euh, je je dirais même ici exactement. Euh, weekly résistance. Donc là on va faire un truc simple. On est à 66,95, on se met à 67. Là on est à 70, 64, 45, on se met à 70, 65. Là à 40, 10, 13, 7. On va dire 40 10, 15 40 15 quoi et là on a combien 33 17 Allez, 33 15 ok Donc là déjà on a euh, mis à peu près notre environnement là on a aussi un bord weekly 55 65 et là on est bon maintenant on va zoomer donc là on est passé, on avait des high ici, on est run au-dessus des high précédents. Là ce que je vois c'est qu'il y a aussi deux mèches égales. Donc là on va forcément retracer soit sur celui-là, soit sur celui-là avant de repartir plus haut. Donc là il y a deux zones d'intérêt sur lui. Maintenant il faudrait voir sur cette impulsion. La golden zone elle est, elle est entre guillemets alignée avec quelle des deux Elle est plus alignée, à, alignée pardon, avec le monthly que le weekly. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une mèche aux alentours des 68, 67... Avant que Avax refasse un move vers le haut, c'est possible. Maintenant, si je le regarde en daily, on a une grosse impulsion ici. Donc, ça, ça serait ma 3. Et ça, ça serait ma 5. Donc, 5 et 3. Donc, euh, 3 et 5, 2, 3. Ça, ça serait la 4. Et donc, là, on commencerait une 5. Et la 5, elle aurait pour but, à terme, d'aller retaper ben, cette zone. Donc, je ne sais pas à quel niveau. Je ne sais pas dans combien de temps. C'est pour ça que je l'étends comme ça. Mais à terme, elle devrait... On, on, va pat... on va péter les 100 balles sur le avac. c'est sûr. C'est qu'une question de temps, je pense. Là, en plus, le Daily, il a plus de div. Il est en train de pousser. Euh, je pense que ouais. Là, on est dans la zone ben, de l'IT Daily qu'il avait laissé. On va zoomer pour voir. En 4 heures, on a une divergence ici. On commence à corriger. On a eu un break de structure ici. Donc, euh... là, là, ici, le lot. Il, est il a été break. On est venu retest. Là, on part vers le sud. Donc, pour moi, lui, il va faire un arrêt vers. On va regarder. Oh là 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 là. Regardez, les gars, comment c'est propre. Je vous ai dit, ici, c'est votre Golden Zone. Ici, c'est votre Monthly Support. Ici, si on fait une ABC de correction, comme on peut faire euh, à plusieurs reprises dans plein de, plein de moments, la zone, on va dire, qui va être intéressante, c'est entre les 100 et les 123 pour une B ou une a b c. Donc, regarde, les 100 ils sont alignés avec quoi encore avec tes 67 dollars. Donc pour moi, si euh, Avax tombe 67 dollars, à regarder de très très près, parce que 67 dollars, il y a énormément de choses qui ramènent ici. Plus juste en dessous, on a des supports qui ont break, qui n'ont pas été retest. Donc 67, 65 dollars, ça peut être ta golden zone, on va dire, sur le Avax, pour potentiellement ensuite, si tu rentres ici, run au dessus de ça, donc euh, 81, 82. Et une fois qu'il aura tapé 81-82, il va retracer et tu referas le même taf une fois qu'il va retracer pour savoir à quel niveau il va re il va falloir re-rentrer et toi comme ça ça t'évite de hold ben, jusqu'à qu'on aille là-haut parce que si admettons on arrive jusqu'ici et qu'on va pas réellement taper là-haut, bah ben, tu vas l'attendre un moment là-haut. Tu vois ce que je veux dire Donc voilà. Euh, très bonne zone à regarder 67 dollars. Et après les 67 dollars on repète aussi, ben faudra. Pense TP aux alentours des 81, 82, max, max. Et même 82, c'est trop parce qu'on est au-dessus. Je dirais 81, max en fait. Plus 80, 81. Donc, ça fait quand même une belle ride. 67, à peu près. Sur TP vers 80. Euh, ouais. On n'est pas. Ouais. C'est pas dégueu du tout. Donc, à regarder de près aussi euh, Avax. Et lui, par exemple. Comparé au sol, en 4 heures, j'ai pas de green dot sur mon algo encore. Donc lui, il est clairement en train de corriger. Et là, il, il va potentiellement aller là-dedans. Donc euh, à regarder de près. À regarder de très près. On va finir avec le bit token. On va faire une petite analyse dessus. Rapidos. Pour le moment, le bit token, j'avais compté 1, 2, 3, 4, 5. Ça a l'air de malheureusement être le top. Pourquoi le top Parce qu'ici, en fait, on a un pic ici on a un pic plus bas donc en gros ça c'est à 3 et à 4 et là l'impulsion qu'on a on va dire c'est à 5. Donc en fait non, je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être sur lui parce que là c'est mon pic mais après j'ai pas de divergence. En fait, cette leg si elle serait allée plus haut ici alors que sur le RSI on est plus bas et qu'on aurait retracé comme ça ensuite, j'aurais pu valider. Mais là, il n'y a pas de divergence entre ce pic et ce pic, si tu veux, ce pic il est là, ce pic il est là. Donc ça descend et là ça descend. On est d'accord. Donc du coup, ça c'est une 3, ça c'est une 4, ça c'est une 5. Mais ça, ça forme sûrement la grande 3. Je pense. Et il manque encore 4 et 5 sur lui. Donc on va regarder exactement ce qu'il a été fil. Euh, tac, 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 tac. Donc, qu'est-ce qu'il a fait surtout en 4 heures Regardez bien. On est passé sous ce plus bas ici. D'accord Vu qu'on est passé sous ce plus bas, on regarde quelle est la leg qui nous a fait passer en dessous d'ici. La réponse, c'est pas tout ça. La réponse, c'est ici, on a rebondi et là, on est passé en dessous. Donc, d'ici. Maintenant, regarde la ligne que je viens de tracer. Regarde ma zone des 61,8. Où est-ce qu'elle est encore alignée Regarde ce qui s'est passé à ce niveau. Si je rentre, par exemple, en short sur une leg comme ça, je t'ai payé en bas de la bougie, comme je t'ai dit, tu vois. Je ne vais pas chercher à aller plus bas que cette bougie, alors que pour le moment, on n'a pas validé qu'on allait plus bas. OK Donc là, ce qu'il a fait. C'est qu'il a break, le H4 ça leg Donc il peut redescendre encore plus bas. Pour moi il peut descendre, hein. euh, on va regarder. Là il a fait 1, 2, 3, 4, donc il en manque une, 5. Pour moi il va retester euh, de 40, voire euh, peut-être un petit peu plus bas, de 30. Et après une fois qu'il aura fini ça, ça se trouve il a fini là en fait. Parce qu'il a retesté cette zone qui n'était pas retest, on avait break. Et là, hein, ce qui nous fait, en 4 heures, il n'y a pas de div, mais en une heure. T'as une div avec une chasse de liquidité avec un beau marteau sur euh, une zone de Fibo très très importante. Oh. Attends. Hop. Regardez ce qu'on a été touché. 61.8, même pas encore 100, même pas 123, rien du tout. Ok. Donc. Ça c'est une impulsion, ça c'est la correction de cette impulsion. Ça c'était une impulsion, ça c'était la correction de l'impulsion. Donc regarde. Là on est venu quasiment au 61,8. Et là on est où actuellement On a bloqué au 61,8. Donc potentiellement, là on a fait A, B et on va chercher C. Et une fois qu'on aura trouvé C, là on va se remettre en 4 heures. Là, si tu veux, on vient de casser ça, comme je t'ai dit. On est venu retester, on a ça. Maintenant, on peut très bien revenir dans cette zone avant de repartir. Pourquoi Parce que là, c'est le segment qui a break. Mais si ce segment qui a break, on reprend le high, il va vouloir aller retester ça, tu vois. C'est-à-dire shorter tous ceux qui sont rentrés sur la première leg. La A. Ensuite, on rebondit en fin B pour sortir les gens de la A qui sont... Pas entre guillemets, qui n'ont pas TP par exemple ici. Et une fois qu'on a A plus B, on va chercher C. Mais théoriquement, là, il n'est pas censé repasser au-dessus de cette bougie. Pas pour le moment. S'il repasse au-dessus de cette bougie, c'est signal que derrière on continue, on va monter. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste attendre qu'il ben, qu bottom, on va dire, sur cette leg. Et dès que c'est valide en low time frame ou quoi, dès que tu vois des belles bougies, des belles dives des, des belles choses. Par exemple ici, voilà oh là, mais regarde, regarde où est-ce qu'on est. On est sur les 61,8. T'as 100 M15. Il va s'envoler les gars. <laughs> ah, L'expérience là, c'est sûr ça, ça. Ça va prendre plusieurs pourcents aujourd'hui, je pense. Il y a des chances. En tout cas, le bit token, euh, je suis très bullish long terme sur ce token parce que c'est le token de la plateforme Bybit. Donc euh, vu qu'ils l'ont sorti il n'y a pas très longtemps, il ne vaut pas encore très très cher. Mais bon, si on se base sur les tokens des plateformes à côté, même des plateformes moins connues comme Kucoin, tu vois le token, il est déjà à 20 balles. Tu te dis bye bit avec tout ce qu'ils font en ce moment, la promo qu'ils mettent derrière et tout, je ne serais pas étonné que ce coin dans quelques années soit à, à 3 ou 4 digits, tu vois. C'est-à-dire à 300 ou... ou 1000 balles, tu vois. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas... Là, c'est le début de son, bah, de son cycle. Hein. Regardez, hein. si on regarde en 3 days, c'est-à-dire 3, 3 jours, ah, une bougie égale 3 jours, on n'en a pas beaucoup de bougies. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, on est dans la dixième bougie. Donc, ça fait un mois qu'il est sorti le bit token. Il est sorti le 10 octobre exactement. Et là, aujourd'hui, on est le 6. Donc, ça fait moins d'un mois. En moins d'un mois, sa croissance a été de 62%. Là, on a corrigé un petit peu, on a 46. Mais voilà, ça, c'est ton graphique en, en 3D. Si tu le regardes en délire, ressemble à ça. On pourrait juste être, si ça se trouve, dans une 1, 2, et là, on commencerait juste une 3. <laughs> c'est pour ça que, vu qu'on n'a pas beaucoup de bougies, on est obligé de zoomer pour aller voir des plans un peu plus détaillés. Mais il ne faut pas oublier que, bah, dans ces plans entre guillemets détaillés, on n'est on est que dans les legs, enfin dans les vagues, on va dire, des plus grands timeframes. C'est-à-dire que là, tu es dans ton plan 4 heures, mais ton plan, on va dire, daily, weekly, monthly, si on avait plus de data, ben on serait sûrement dans, dans... Par exemple, si là je compte 5 et qu'en weekly on est bullish, ça se trouve, cette 5, c'était juste ma 3. Que je vois en 4 heures. Là. Et après, on va corriger cette grande 5 en 4 heures. Et ainsi de suite. Là, ce qu'on voit sur ETH, c'est que pour le moment, en 10 minutes, il y a une belle div aussi ici. Par contre, je ne sais pas si on avait mis des, des, des niveaux sur ETH tout à l'heure, mais ça ne les a pas gardés. Donc, il faudra regarder le, la vidéo pour ETH. En tout cas, là, je pense que dans pas longtemps, on devrait avoir quelques rebonds sur les, sur les Alts et sur BTC. Il faut attendre que le week-end passe, je pense. Ou même pas forcément le week-end, mais voir déjà si sur les zones que vous avez tracées, weekly, monthly, vous avez des rebonds et auquel cas, ben, si vous voyez des signes comme par exemple là, imaginons j'ai une ligne, ou une divergence comme ça, bon, je vais le tenter, hein. je n'ai pas grand chose à perdre là, hein. tu vois ce que je veux dire, j'ai une divergence, si j'ai un support dans cette zone, ben, j'ai un support weekly ou monthly dans cette zone, ben, voilà, c'est ça, après c'est les probabilités, on va chercher des probabilités. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo euh, vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, et je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde